This is Rock of Gibraltar rap. The Springfield M14 show you where the coffin's at. You motherfuckers don't belong in rap. Fuck with me, you got a better chance taking an abortion back. Y'all lack flavor, put some sauce on that. I went through the Great Wall, put my fist through and walked through that. Where this motherfucker's fortune. Salut à tous, la forme? Bien? Bon, super. Écoutez, moi ça va pas mal aussi. Aujourd'hui, on va voir un dripper de chez Watofo, donc en l'occurrence celui-ci, donc qui est le Freak Show V2, voilà. On va faire déconcentré, on va aller chez Supervap, on va tester par la même occasion la base, parce que je voulais vous en parler, donc on en parlera également. Voilà, voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va commencer par le dripper. On va faire donc un gros plan, comme d'habitude. Et puis après, je reviens vers vous et je vous dirai au final ce que j'en pense. On perd pas plus de temps, on part direct en gros plan pour le Freak Show V2. Voilà, donc on va se retrouver en gros plan pour détailler ce Freak Show V2 par Watofo. Voilà la présentation de la boîte, classique. Dedans, on va avoir comme d'hab la mousse avec l'ateau et là l'emplacement pour le drip top que je laisse dehors. Je vais vous montrer comment le présenter. On a toujours les fameux sachets chez Watofo. Donc un sachet avec cette fameuse clé, deux tailles de vis Allen et un tournevis en cruciforme. Voilà. On a alors un sachet maintenant qui est vide dans lequel en fait on a trouvé du coton bio et également des coils que Watofo fait. J'arrive à faire un focus, ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc là vous voyez qu'on est sur un twisted classique serré, donc c'est propre à ce dripper. C'est du 0,5, donc j'ai testé avec, moi je suis passé à autre chose, je vais vous faire voir. Donc voilà, du twisted en 0,5 ohm, donc sur un axe quand même assez petit. On va passer maintenant au dripper en lui-même. À commencer par la base. Vous voyez, j'ai fait mon montage, parce qu'on ne va pas y passer 3 plombs pour vous faire voir la même chose à chaque vidéo. On va s'attarder donc sur ce dripper, je vais l'essuyer un peu quand même. Alors pourquoi j'ai du jus qui est un petit peu partout, je vais vous le dire très honnêtement, une fois qu'on met le tube du dripper, les joints noirs sont tellement, mais alors tellement consistants on va dire, que si c'est sec, pour enlever le tube, je vous garantis que c'est vraiment la galère. On va retrouver au niveau de l'airflow de chaque côté, comme vous pouvez le voir, le même système que le Tsunami qu'on voit de plus en plus, donc des airflows qui vont arriver par le dessous, d'accord, grâce à cette arrivée ici. Voilà, donc là vous voyez mon montage, hein, un Clapton de chez Watofo, j'ai mis de la fiber classique, je le monte en single, j'aime bien les singles, moi même avec un peu d'air ça ne me dérange pas. Je vais enlever un peu le trop plein de fiber pour vous montrer, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la profondeur de la cuve. Pour vous donner un ordre d'idée, on va y faire avec le cure-dent. Voilà, on a 1 cm de profondeur. À savoir que, je vais essayer de me rapprocher un peu, vous allez avoir une différence entre là, où on a l'isolant du pôle positif, et là où on va faire descendre le coton, si on ne veut pas en mettre beaucoup. On a un petit écart de 2-3 mm. Mais c'est un dripper, même en 22, qui est prévu pour mettre pas mal de coton. Pourquoi je le monte en single? Tout simplement parce que même s'il n'y a pas de réglage d'airflow possible pour du single sur cet atoll-là, le fait qu'il soit en 22, il est quand même petit. Donc on va avoir une chambre d'atomisation qui ne va pas être très conséquente. Du coup, en jouant avec les airflows, on arrive à avoir un single avec d'excellentes saveurs, parce que je suis sur des jus que je connais depuis longtemps, sans pour autant avoir à se casser la tête, à tout boucher, etc. On va y revenir. Pour terminer, au niveau de la base, un plateau Velocity classique. Donc vous allez voir, vous voyez qu'on a quand même des trous, là c'est pas ouvert jusqu'au bout, on a des trous conséquents. Bon là, sur le montage, vous voyez pas trop, mais moi le type de coil que je mets, c'est ça. Je mets ça avec un tour de moins et un axe un peu plus large. Donc vous voyez quand même que ça passe large.
Donc voilà pour ce qui est de cette base. On va s'attarder maintenant sur le tube, le corps. Corps, ma foi, classique, 22 mm, gravure Freak Show. Les airflow des deux côtés, et là vous voyez apparaître deux airflow supplémentaires qui sont des airflow en fait, comment dirais-je, latéraux, un peu à la manière d'un RH MIDI, d'un Royal Hunter MINI. Ça peut venir en plus de venir en dessous, venir par les côtés. Parfaitement judicieux, pourquoi? Parce que je vous explique, moi je suis en montage PPR, mais le mec qui va nous mettre deux gros claptons de chaque côté, vu comment l'ato est petit, une fois que vous mettez le corps, je vais vous faire voir. Je vais mettre le tube, voilà. Vous allez voir que une fois qu'on a mis les deux gros coils, il restera pas beaucoup de place, et pour éviter la chauffe, plus pour avoir un airflow supérieur, parce que ce qu'il faut quand même pas oublier sur cet ato, c'est que même si on a un airflow qui vient par le dessous et qui est assez conséquent, comme vous pouvez le voir, on a un airflow qui est par exemple moins important en termes de quantité d'air qu'un tsunami, par exemple. Donc l'airflow sur les côtés va avoir deux avantages, forcément encore plus refroidir le coil en le frappant sur le côté puis par en dessous. Mais également, si on a un gros montage compact, avoir une chauffe sur l'ensemble du dripper. Voilà. Moi, je le monte en single. Et ce que je fais, donc vous allez avoir la pièce qui va vous permettre, donc c'est le top cap, hein, tout simplement, qui va vous permettre de régler l'airflow latéral. Donc vous voyez qu'on a une quantité de trous assez importante avec une ligne plus longue en bas que celle du dessus, d'accord? Donc pareil des deux côtés, vu qu'on est vraiment sur un double. On a un joint, comme d'hab, noir qui tient extrêmement bien et il y a zéro fuite. Et on voit que ce top cap donc contient également des ailettes de dissipation de chaleur. Donc clairement, quand ils ont fait ce dripper, ils ont pris clairement en compte que le fait que la chambre d'atomisation soit petite avec deux gros coils, parce que moi il n'y a que 4 tours, mais il y en a qui ont 5-6 tours en clapton et qui y mettent des deux côtés, la place n'est pas énorme. Si on fait un gros montage, on aura besoin de plus d'air. Donc là-dessus, c'est clairement pris en compte et on aura besoin également d'une grosse quantité de juice, d'où la hauteur, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, de la bague d'airflow. Mais ça permet à des gens comme moi de pouvoir vaper en single. J'ai fait des montages, pour être très honnête avec vous, petits, en 0,6 ohms, le fameux montage que j'utilise d'habitude. En n'utilisant pas les airflow latéraux, je suis du tout en le bouchant de moitié, j'arrive à vaper à 20 watts et avoir des saveurs excellentes. Donc, je vais le qualifier de très très polyvalent cet ato. Donc, on va remettre ces fameuses pièces. Donc, vous voyez, si vous les mettez pas en face, ça les bouche, d'accord? Et après, vous voyez qu'en arrivant, voilà, en tournant, on va voir arriver la première ligne, d'accord? Et si on continue à tourner, on va voir arriver les trous sur la deuxième ligne jusqu'à en avoir au maximum 6, d'accord? Comme ceci. Donc là, on va avoir un airflow ultra, ultra conséquent. Donc, je vais le remplir, le réimbiber. Donc là, je mets le détective que m'a envoyé Adeline. Excellent gourmand. Et je la remercie. Donc, on peut en mettre franchement dans la cuve. Vous pouvez en mettre, il y a de quoi faire, quoi. On a une cuve extrêmement profonde. Moi, étant donné que je suis en single, le compromis que j'ai trouvé, c'est que je ferme tout au-dessus. Et même en ayant l'arrivée de l'autre côté non bouchée, j'ai d'excellentes saveurs. Franchement, j'ai d'excellentes saveurs. Donc c'est pour ça que je vous dis, enfin, à mon propre ressenti, que ce dripper est extrêmement polyvalent. Vous avez deux solutions derrière. Soit vous mettez le drip top dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, je vais le conseiller aux gens qui mettent des gros montages de bourrin et qui envoient du purin, d'accord? Voilà. Soit, donc par exemple, moi, le montage que j'utilise, étant donné que je suis en single, même s'il y a deux airflows, je vais mettre quand même un ensemble un peu plus serré. Donc là, c'est la pièce, l'adaptateur 510, d'accord? Donc, qui va être isolé, bien évidemment. Et par-dessus le drip-tip, le fameux drip-tip métallique, qui est donc en 510 et qui s'élargit au niveau de la bouche. Voilà à peu près la tronche que va avoir ce dripper.
J'ai monté ce dripper donc en double avec un petit montage comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je l'ai monté en double en mettant deux claptons de chaque côté et en le montant à 65 watts. Le tout en gardant quand même le top cap, donc l'adaptateur avec le drip tip métallique. Je peux vous dire une chose, c'est que les airflows latéraux, donc quand on a un grand montage combiné avec les ailettes de dissipation de chaleur plus donc bien évidemment l'adaptateur 510 qui est en isolant, on a zéro chauffe au niveau de la bouche. Je ne suis pas monté plus haut que 60 watts, mais on a zéro chauffe. Voilà. Là, je suis en single, donc je n'utilise pas les airflows latéraux, vous l'avez compris. J'utilise que les airflows d'en bas, et je vais avoir, parce que ça je ne vous ai pas fait voir non plus, mais l'adaptateur 510 est intéressant parce qu'il va donner, vous voyez, une petite forme de cône qu'on n'a pas forcément avec le drip top à la base. Il va prolonger la forme de cône qu'on voit, je récupère mon cure-dent magique, au départ ici, et qui va être suivi donc par l'isolant et l'adaptateur. Donc du coup, ça va nous donner encore plus de saveur et le fait de restreindre ça avec du 510, bon là ça va être compliqué, et ben du coup, même en single, même avec deux airflows, on y trouve son compte. Donc là, ça me fait quoi? Ça me fait du 0,32, je suis à 33 watts, donc c'est pas énorme. Et vous allez voir, j'ai une vape quand même particulièrement intéressante. J'ai des saveurs vraiment très bonnes. Je suis assez bluffé en fait. Je m'attendais pas trop à ça. Je m'attendais encore à un truc d'ato de bourrin, de machin, ou sur lequel on pouvait rien faire. Et en fait, non. Avec un montage comme ça, vous voyez que j'ai les deux airflows du bas ouverts alors que je suis qu'en single. J'y trouve mon compte et j'ai des saveurs. Donc c'est dans ce sens-là que je trouve cet ato polyvalent et particulièrement bien conçu. C'est que en fait, si vous voulez, eh ben, cet airflow par le dessous, et je me répète, mais c'est important, par rapport à un tsunami, par rapport à n'importe quel autre dripper qui a ce système d'airflow, il n'est pas si consistant et si important que ça. Du coup, pour les gros montages, on pourra jouer sur le dessus. Comme ça, et pour un mec comme moi qui vape en single et qui aime ça et qui du coup n'a pas d'adaptateur, on peut pas tout boucher, et ben vaper comme ça fonctionne. Donc moi perso je trouve ça génial. 33 watts à 0,3, c'est pas une vape de bourrin. J'ai un gros coil qui va m'améliorer mes saveurs, et puis au final je trouve ça très très bon. Alors j'ai reçu d'autres drippers de chez Wotofu et on verra que ce ne sera pas la même chose. On ne sera pas aussi axé saveur. À savoir qu'on peut quand même dripper, d'accord, sans problème. Donc avec une unicorne, avec n'importe quel type de bottle, on va dire. À part certainement la pipette, où là ça risque de toucher un peu les bords du drip tip. Je ne sais pas si je ne me suis pas assez arrêté sur le drip tip. Bon, il vient avec le drip top, c'est pas grave. Vous voyez que le drip tip, comme tous les drip tips chez Wotofo en métal, s'élargissent vers la bouche. On a une condensation qui reste. J'en ai pas plein la tronche à chaque fois que je vape. Je suis pas fan des drip tips métalliques, mais je dois vous avouer que là-dessus, je le conserve. Parce que du coup, ça me va bien. Ça me donne une vape qui me va bien. La condensation peut se cumuler, mais alors il faut vraiment un moment avant qu'elle arrive dans la bouche. Quoi, je vous le dis clairement, ça tient bien. Pas de souci, franchement pas de souci majeur avec ce drip tip. En plus c'est bon voilà, c'est relativement contenu. On a un dripper en taille qui est très très basse. Je kiffe vachement ce setup moi perso là maintenant. Je le trimballe un peu partout. Freak Show V2 avec la smoke Quantum. Il faut que je vous la fasse en plus en revue cette box là. C'est sympa, ça permet voilà avec un accu à 3000 3005, vous faites la journée si vous vapez pas comme un bûcheron. Pas mal, franchement pas mal le setup et un dripper personnellement j'apprécie vraiment. Je vais même le placer au-dessus du Cheetah qui m'avait bluffé déjà pas mal. Celui-là pour moi question saveur est clairement au-dessus, même en restant sur du single, même en ayant deux airflows ouverts, on a vraiment d'excellentes saveurs. Rien à dire. Donc c'est pas le cas chez d'autres drippers chez Wotofo que je vais vous faire en revue également, mais celui-ci.
pour moi, c'est le dripper, on va dire, le plus polyvalent que j'ai pu avoir. Et je trouve que ce système est vraiment ingénieux. Voilà. Franchement, il n'y a rien à dire. Ce système d'airflow latéral qui va venir se rajouter, qui donne un airflow extrêmement conséquent quand on est en double clapton, par exemple, va rendre ce dripper particulièrement polyvalent. Un des plus polyvalents que j'ai pu toucher jusqu'à présent, quoi. Voilà. On va repasser sur ma ganache et puis on va débriefer là-dessus, tranquillement. Je vais vous en parler un petit peu plus. Voilà, les amis, à tout de suite. De retour donc sur ma face, donc pour ce petit dripper, donc le Freakshow V2. Alors, qu'est-ce que j'apprécie là-dessus? Sa taille. On est sur un 22 et on peut avoir une vape de bourrin, si on a qui aime ça, sur un 22, à condition qu'on utilise bien sûr les airflows latéraux. On peut avoir une vape assez bourrine. Malgré le fait que la taux soit petit, qu'au final la chambre d'atomisation par rapport à d'autres drippers soit petite, vu que c'est la mode des 23, 24, 25, on peut le faire sur du 22. Alors après, il faut la box qui suit, les accus qui suivent, bien évidemment. On peut vaper en single avec les deux airflows ouverts. Si vous n'avez pas envie d'avoir les deux airflows ouverts, c'est pas bien compliqué. L'airflow où il n'y a pas de coil, vous le bouchez avec du coton, on n'en parle plus. Voilà, moi je vape comme ça dessus. Je suis sur un, ouais, sur un 33 watts à 0,32 sur un single, ça me va très bien. On a une vape vraiment généreuse, mais les saveurs sont pas à la ramasse, loin de là. C'est un dripper pour moi en termes de saveur qui va mettre à l'amende pas mal d'autres drippers que j'ai connus précédemment. Je parle pas d'autres drippers que je ne connais pas, mais je vais le mettre devant Cheetah, je vais le mettre devant le Tsunami, je vais le mettre devant mon RH, je vais le mettre devant tous de toute façon, puisque au début je pensais que le Cheetah allait vraiment faire mes tests, le Cheetah de chez OBS, et puis je me rends compte qu'avec le même type de montage en single, sur le Freak Show V2, je ressens plus de saveur. Je prends plus de plaisir à vaper mes jus en all day. Donc pour moi, voilà, en termes de saveur, il y a une classe au-dessus. Donc c'est pour ça que je vais l'utiliser pour les tests dorénavant, jusqu'à ce que je trouve mieux. De toute façon, c'est l'objectif, hein, ça délaie toujours d'avoir toujours quelque chose qui est supérieur en termes de saveur. Donc voilà, je le trouve polyvalent, bien conçu, petit, hyper sobre, mais une belle gueule. Plutôt bien. C'était celui sur le papier qui m'avait le moins convaincu. Et puis en fait, en vapant dessus, j'ai pris un kiff total. Donc voilà pour clore sur ce petit dripper que je trouve, ma foi, très très intéressant. Très bon en saveur. Alors chez d'autres drippers, j'en ai chez Rotofo à vous présenter, c'est pas le cas. On s'adresse vraiment sur du truc de bourrin, beaucoup plus bourrin que celui-ci. On y reviendra plus tard. Mais celui-ci, franchement. De saveur, rien à dire, et moi, c'est personnellement ce que je demande à un dripper. Je vais pas à 90 watts, donc voilà. On va s'arrêter là pour ce dripper là, en espérant que le retour vous ait un petit peu guidé dans vos choix. On va passer donc au test de concentré. Je vais recotonner, je reviens vers vous et on fait ça. Allez, donc c'est parti. On va faire les tests de concentré. Donc, avant d'attaquer les concentrés, je vais vous parler un petit peu de la base Super Vape. Il m'en reste plus. Que j'ai testé. Alors pour l'avoir testé avec différentes juices, différents all day même, c'est une base, à mon humble avis, qui est vraiment excellente pour les gourmands. Franchement, sur du 20-80, j'ai vraiment dosé mes gourmands à 17% dessus. J'ai pris un panard complet. C'est une excellente base pour les gourmands. Je la trouve un peu moins performante pour les autres, mais bon, voilà. Après chaque base, par rapport à chaque palais, par rapport à chaque sensation, peuvent être différentes. Donc on fait pas beaucoup de retours sur les bases. Du coup, ben j'en profite pour le faire sur celle-ci et je vais essayer de faire sur les autres d'ailleurs pour que vous ayez un ordre d'idée. Mais ouais, la base Super Vape, je l'ai trouvée particulièrement intéressante sur tout ce qui est gourmand et crémeux. Voilà. On va se faire quelques petits concentrés de chez eux. Donc on va commencer par celui-ci, qui est le popcorn. Préconisé 15% maximum en max VG. En fait, pas du tout. Moi, je suis monté à 20.
parce que j'avais pas assez de saveur. Et je dois vous avouer qu'à 20, là, j'ai trouvé mon compte. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes en max VG, parce que moi, je suis en max VG, à monter à 20. Là, sur la fiole de test, je suis en 20-80. En 20-80, donc du coup, j'ai dosé à 17%, mais j'ai quand même dépassé les 15% préconisés, pardon, parce que voilà, ça reste un gourmand. Et puis, il faut. Voilà, 15 pour moi, c'était trop short en termes d'arôme et en termes de saveur. Je l'ai déjà donc dans le dripper, on va le tester ensemble. Alors, popcorn, c'est pas le meilleur que j'ai goûté. C'est pas le moins bon non plus. On va dire c'est un popcorn léger en maïs. On a une note de caramel qui est très présente. C'est moins costaud en maïs que d'autres popcorn, donc on se dirige pas vraiment sur du BAF, mais on n'est pas non plus sur. Parce que j'ai goûté certains popcorn, on avait l'impression d'ouvrir une boîte de maïs. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pas le cas, mais par contre, voilà, le popcorn n'est pas très très présent. Il y a une bonne note de caramel. Il est un petit peu sucré, donc il passe bien. Maintenant, on n'est pas encore au popcorn baf comme moi je l'entends. Je pense qu'il manquait un petit peu de force en maïs. Mais contrairement à d'autres, il y a un petit côté caramélisé présent, un petit côté sucré présent qui le rend assez doux et du coup il passe pas trop mal. Donc ça va pas être un popcorn écœurant. Donc franchement, il est pas mauvais, il n'est pas extraordinaire, mais il n'est pas mauvais du tout non plus. Il est quand même plutôt intéressant à mon goût par rapport à ce que j'attends d'un popcorn. Après, c'est que mon avis, bien évidemment. Ça manque un petit peu de maïs, on va dire. Voilà, un petit peu de maïs soufflé. On a un petit peu moins cette saveur, mais il reste très intéressant et surtout très doux. Donc ça, c'est pas mal parce qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment écœurants, qui ont vraiment un goût de maïs concentré. Là, c'est pas terrible. Celui-là est pas mal. Honnêtement, il se va bien parce qu'il n'est pas du tout écœurant, quoi. C'est ça qui est plutôt cool en fait sur ce popcorn-là et c'est ça que je vais retenir. Voilà ce petit goût sucré caramel qui est bien présent, qui n'est pas dégueu quand même, et qui le rend intéressant, qui donne envie d'y retourner. C'est pas le baf du cinéma, voilà, mais il est vraiment intéressant. Oui, il est intéressant, il est pas mal. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit popcorn. Qu'est-ce que je fais? Je vais recotonner. Oui, donc vraiment, honnêtement, beaucoup moins écœurant que d'autres popcorns que j'ai pu vaper, moins goûtu que certains autres. Par contre, un côté caramélisé, sucré, un petit peu plus présent que les autres. Ça le rend bon, ça le rend vraiment intéressant, sans que ce soit un truc extraordinaire. Mais c'est un truc qu'on peut vaper à la journée sans être écœuré, en fait, contrairement à d'autres popcorns. Je reviens vers vous, je recotonne. De retour, donc, pour le second concentré qu'on va voir, il s'agit du bonbon acidulé, donc toujours séché. Chez Supervape, bien évidemment. Donc le voici, toujours avec la base Supervape en 20-80, dosé à 17%. Il a pris une petite couleur jaune, assez claire. Je l'ai goûté, alors ils ont 2 mois. Donc je suis un petit peu à la bourre sur les concentrés, mais ils ont 2 mois. Je vais pas en parler tout de suite, je vais le regoûter maintenant et je vais vous dire ce que j'en pense.
Alors. Donc, bonbon acidulé, ça fait certainement penser à un bonbon arlequin. Alors, sur celui-ci, en fait, j'avais goûté à un mois et j'avais trouvé un côté chimique trop présent. Voilà. Là, il est beaucoup moins prononcé. Il y en a encore un peu. Il y a encore un peu ce côté chimique, ce côté, on va dire, sourd, parce qu'il y en a, à mon avis, dedans, qui est un petit peu trop présent. Par contre, d'un autre côté, on a un petit truc intéressant. On a ce côté un peu crémeux que va donner la partie blanche de l'arlequin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça donne une sensation d'un léger crémeux que j'avais pas il y a un mois sur celui-ci. Par contre, s'il faut attendre 2 mois de ce type pour l'avoir, ça commence à faire un petit moment. Donc moins chimique, toujours ce petit côté un petit peu sourd, trop présent pour moi, d'accord? Et ce petit côté crémeux qui vient l'adoucir après. Donc au début, le bilan, pour être honnête avec vous, au bout d'un mois, je vous aurais dit il est chimique, il ne me plaît pas. Là, le bilan est un petit peu différent, par contre, c'est au bout de 2 mois. Je ne l'ai pas testé entre-temps, je ne sais pas combien de temps il a fallu exactement pour que le côté chimique s'estompe et ce côté un peu. C'est une sensation de crémeux, mais ce n'est pas un côté crémeux que va donner en fait. La partie blanche du bonbon, donc qui vient se développer beaucoup plus tard qu'un mois, mais là c'est plutôt satisfaisant en fait. C'est plutôt satisfaisant, par contre, ça sera pas un all day pour moi. On reconnaît un petit côté acidulé, un petit côté sourd qui va venir, qu'on va bien approprier à l'arlequin. On va avoir un petit côté. Un aspect crémeux donné par ce bonbon, par la partie blanche de ce bonbon, qui va venir un petit peu tasser le côté chimique. Je suis pas dans ce type de jus, pas du tout. J'en ai très peu goûté, donc prenez mon avis avec des pincettes parce que c'est toujours pareil. Si j'en ai goûté 10, je pourrais mieux m'exprimer que si j'en avais goûté qu'un. Donc je vais pas vous raconter de boulettes aussi. Je le trouve bon. Voilà, par rapport à un mois où il était chimique pour moi, je le trouve bon, je le trouve assez, pas trop sucré, assez doux, assez cet aspect crémeux là qui vient bien arrondir l'ensemble. Je dénote encore ce petit côté chimique qui me gêne un petit peu. Maintenant, pour les amateurs de ce type de concentré, c'est pas forcément un mal, puisque c'est ce qu'on recherche également quand on veut un bonbon acidulé, un peu sourd, un peu comme ça. Bon, voilà. C'est pas ma vape et j'en ai jugé que peu. Donc c'est délicat de vous donner un avis précis, faut être honnête quoi, on n'a pas la science infuse. Mais le principe de ce type de concentré, enfin de jus, c'est quoi? C'est un côté acidulé, un côté doux sucré, et on est là-dedans. Voilà, clairement on est là-dedans. Par contre. Si vous le testez, vapez-le au bout d'un mois, mais vous verrez, pour moi, au bout d'un mois, il avait un côté chimique très présent. Je pense que c'est plus un mois pour du 50-50. Je pense qu'il faut bien étaler 2-3 semaines en plus, quand on est en max VG ou en 20-80, pour pouvoir tirer la quintessence de cet arôme et pour que le côté chimique vienne bien s'estomper. Ça reste un bonbon acidulé, très bon, très doux. Voilà ce que je peux vous dire, avec un petit chaud du côté chimique qui, moi, me dérange et qui dérangera. Il dérangera pas, pardon, les amateurs de ce type de bonbons. Après, le job est fait. Voilà, on a le côté acidulé, côté sucre, côté doux. Le job est fait, c'est correct. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, je le mettrai derrière le popcorn, parce que le popcorn, je le trouvais quand même intéressant, de par son côté caramel plus présent que sur d'autres popcorns. Je le mettrai un petit peu derrière quand même, parce que c'est pas nécessairement mon préféré, et c'est pas nécessairement ma vape. Ça reste que mon avis. Je recotonne et puis on va passer au troisième et dernier. De retour pour le troisième et dernier, on va aller tester le soda menthe bio. Alors celui-ci, j'en ai racheté. Ouais. Par contre, j'en ai racheté et là j'ai utilisé donc le fameux Cyber Fresh avec mon superbe accent parce que c'est très intéressant mélangé avec le soda menthe bio. Soda menthe bio, ça vous inspire quoi? Un Diabolo menthe, on est bien d'accord. Qui est pour moi réussi, mais
J'ai rajouté le Cyberfresh dedans. J'avais mis, je crois, je mets 2 gouttes. Non. Ouais, 2 gouttes pour 10 ml. 4 gouttes, pardon. 4 gouttes pour 10 ml. Et il y a les glaçons. En gros, il y a les glaçons en plus du Diabolo. On va le tester directement. Celui-là, je l'ai kiffé pendant les grandes chaleurs. Alors, le Cyber, en fait, il va amener un côté frais. Pour moi, pas coolada. Un côté frais, naturel. Une sensation de glaçon. Vraiment. Là, j'ai un Diabolo Menthe avec 4 gros glaçons dedans et ma paille au bar. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors, l'aspect limonade, l'aspect petite bulle, donc on peut ressentir sur certains jus, est moins présent, mais ça reste, on reconnaît une limonade pour moi en tout cas, et surtout on a une menthe, c'est juste une tuerie cette menthe-là. Un sirop de menthe, un sirop de menthe. Franchement, on est sur un sirop de menthe pas trop sucré, bien bien dilué, une petite limonade présente. Un côté donc frais que je vous conseille vivement de coupler donc avec ce soda menthe bio qui va vous donner ce côté glaçon qui est vraiment très très bon. Celui-là, je l'ai apprécié, je l'ai racheté du coup. La menthe est juste nickel parce qu'elle a un goût hyper naturel et elle a le côté sucré d'un sirop sans que ce soit écœurant. Donc c'est juste nickel. C'est quelque chose que j'ai vapé régulièrement pendant les grosses chaleurs. C'est un jus d'été pour moi, clairement. Le côté cyber va lui donner encore plus, pour moi, de peps. Va lui permettre d'atteindre sa pleine mesure à se concentrer là. Sachant qu'il est déjà très bon, je vais m'en remettre un peu du coup. Parce que je l'aime bien. Et ouais, c'est le Diabolo fraise qu'on a tous bu quand on était enfant, quoi. Diabolo fraise, Diabolo menthe, pardon. Avec une menthe ultra naturelle, quoi. Ultra naturelle. Ouais, il est super bon. Il est super bon parce qu'il a pas. Il n'a pas de goût chimique, il n'a pas un goût de menthe un peu. C'est une menthe que j'ai jamais retrouvée réellement ailleurs. C'est une des rares fois où j'ai ressenti ça comme menthe. Les petites bulles sont, enfin la sensation, c'est pas des petites bulles, mais la sensation de limette, limonade est bien présente. Par contre, elle est en retrait par rapport à la menthe, mais c'est la menthe, pardon, mais c'est plutôt pas mal. On a l'impression de boire un sirop. On a vraiment l'impression de boire un Diabolo menthe, quoi. La menthe était hyper naturelle, légèrement sucrée. C'est vraiment un Diabolo. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Là, par contre, le challenge est clairement réussi sur celui-ci. Donc, c'est celui qui m'a le plus convaincu, qui est vraiment très bien abouti pour moi. Un jus par chaleur, un jus qui va, à mon avis, faire plaisir à ceux qui aiment la menthe. Je dis pas le mentholé ou une impression de fraîcheur, je dis la menthe. Voilà, clairement. Ça, si vous aimez vraiment la menthe, là vous allez vous faire plaisir. Elle est généreuse, elle est vraiment parfaitement réussie, elle est parfaitement sucrée. Enfin, c'est pas mal. Celui-là, j'en suis super content. Vraiment bien réussi, un excellent Diabolo. Rajoutez du cyber, honnêtement, rajoutez du cyber et vous êtes au bar, quoi. Vous avez vos glaçons, vous êtes au bar, vous faites super plaisir. Je l'ai vapé, franchement, pendant les jours de grosse chaleur, je m'en mettais de ces doses, c'était super agréable. Voilà. Pour mon retour sur les super vapes, pour moi, une base excellente pour les gourmands à retenir. Concernant le bonbon acidulé, j'ai peu d'éléments de comparaison, donc je tiens à vous le dire en toute honnêteté. Challenge réussi, mais un côté chimique un petit peu présent qui me gêne. Concernant le popcorn, un des rares popcorn non écœurant, avec un bon côté caramel sucré qui va donner un goût de reviens-y, même si pour moi on est un petit peu en manque de maïs. Voilà, dosé à 17% en 20,80,
tous, je vous le dis, hein. Et enfin, donc ce soda menthe bio, qui est juste, quand on parle de menthe bio, c'est exactement ça, qui est juste excellente. On a une menthe qui est vraiment superbe, un petit diabolo. Vous rajoutez 4 gouttes de Cyber pour 10 ml, vous prenez un panard pas possible. Voilà, ce que je peux vous dire sur les super vapes, les petits arômes que j'avais depuis un moment. Hein. Je suis un petit peu à la bourre hein, par rapport à ça, je suis désolé. Voilà. Convaincu, convaincu, parce que les premiers que j'avais testés chez eux, je les avais pas franchement appréciés. J'avais pas trop apprécié la crème brûlée. J'avais pas trop aimé. J'en ai testé un autre aussi. Je sais pas si je vous l'avais fait en revue, une custard menthe qui était pas mal. Et là, on sent que voilà, les derniers qui sortent, on passe un cran au-dessus. Le popcorn est vraiment intéressant. Et la menthe bio, soda menthe bio, ça c'est juste une tuerie. Voilà. Voilà donc ce que je peux vous dire. Donc, petit retour sur ce dripper de chez Votofo, le Freak Show V2. Petit retour sur les super vapes et sur la base. J'espère que ça va vous aider un petit peu dans vos choix, en tout cas. Je vous remercie comme d'hab hein, de votre fidélité, de votre présence, de votre gentillesse, de vos messages. J'ai vu qu'il y avait un de mes abonnés qui a laissé un petit message bizarre. Il m'a dit j'ai pas aimé quand t'as dit les abonnés, je m'en fous. Donc je me désabonne. Après, il arrive à un moment où on comprend ce qu'on a envie de comprendre. Quand je dis que j'en ai rien à foutre des abonnés, c'est que je suis pas en quête de célébrité, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Ça ne veut pas dire que les gens, je m'en tape. Au contraire, je passe mon temps à répondre à tous les coms et à tout ça. Enfin, ceux qui me suivent depuis le début savent que je fais tout le temps pareil. Donc c'est pas ça, mais c'est juste que voilà, j'ai pas envie d'avoir 4000 abonnés. C'est pas le but recherché, quoi. En gros, voilà. Donc c'est pour ça que je m'en fous des abonnés. Encore une fois, je m'en fous parce que je veux pas en avoir 40 000. Mais ceux que j'ai, je suis content de les avoir, il n'y a pas de problème. Mais il faut, encore une fois, faut réfléchir un petit peu et comprendre ce qu'on a envie de comprendre. Voilà, sinon quoi de plus? Je vais revenir, j'ai encore du matos à vous faire. J'ai encore des concentrés à vous faire. J'en ai en stip, j'en ai à mettre en stip, j'en ai énormément. Donc il faut que je me manie un peu le fion. Donc je reviendrai pour vous faire un petit retour. On va faire comme d'hab, hein, on va continuer à faire. Alors au début c'était un petit peu long, mais... Je pense qu'arriver à faire un petit matos et quelques concentrés ou un jus, ça permet d'avoir une vidéo un peu polyvalente. Et puis celui qui n'est pas intéressé par un des deux trucs, il peut le zapper directement. Au moins, il y a un peu plus de consistance dans la revue. Voilà, bon, je vous embrasse comme d'hab et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao!